Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis, nous allons parler du deuxième mob qui a été présenté et dont une vidéo est sortie et que vous voyez tourner en fond. Et donc il s'agit du deuxième mob qui nous a été présenté et l'un des mobs qui sera votable, hein, je sais pas si je dis ça, mais qui sera possible d'être voté lors de la Minecraft Live qui aura samedi, hein, qui aura lieu samedi vers 17h20, donc n'hésitez pas à être là, on sera en live hein, comme d'habitude. Mais bon voilà, le nouveau petit mob, la Lay, vous pouvez le voir en fond un petit... En vrai moi je l'ai défini comme un petit Vex bleu. Et franchement, déjà, niveau taille, niveau coloris, niveau truc, je trouve déjà, il est très très classe. Et surtout, mais là franchement, c'est juste insane. Il a une propriété qui est énorme. Et là, je trouve ça juste insane. Déjà, voter pour lui, chercher même pas à voter pour lui. Bon, on attendra quand même, je pense, demain pour voir le nouveau mob, qu'est-ce qu'il fait. Mais celui-ci a l'air insane. Comparé au glaire qu'on a vu hier, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, lui, pour vous dire. En fait, il a une fonction qui est juste exceptionnelle, je trouve, rien que pour des systèmes redstone. J'ai plein d'idées qui arrivent là d'un coup. Et en fait, pour les gens qui ont vu, donc qui voyaient la vidéo en fond, vous allez pouvoir lui donner un petit objet, voilà. Et quand vous allez lui donner l'objet, il va aller tout simplement chercher, genre peut-être dans une zone, on sait pas encore, mais il va aller chercher d'autres objets qui sont comme celui-ci. Et on peut lui donner n'importe quel objet sur le petit Minecraft, qu'au passage vous aurez le lien dans la description sur lequel il lance plus d'informations sur lui. Et bien il peut prendre des objets qui sont craftables, des objets précieux, n'importe quel objet. Et ça c'est super super cool. Et avec des usines ça peut être juste insane. Et il peut pas juste les prendre les gars, il peut aussi les poser grâce à un bloc-notes. Il adore au passage danser hein. C'est une de ses jeux favoris, voilà, comme ils disent. Mais en tout cas, et bien petit mob ultra intéressante au niveau de ses fonctionnalités, de ses possibilités, surtout pour des usines. Vous imaginez pas, j'ai plein d'usines à Caribe, comme des usines par exemple à carottes, à patates, à je ne sais quoi avec les villageois. Ça peut être juste trop trop cool. À voir s'il peut déplanter et replanter. Ça peut être compliqué. Mais bon voilà quoi, le petit mob Alley, dont je vais pas dire la définition ou la traduction parce que ça veut quasiment rien dire. On attendra si jamais ça sort d'avoir une réelle traduction. Mais voilà, un des vrais mobs, franchement là je trouve que là c'est juste insane, trop cool comparé au glaire qu'on a vu hier. Il est juste trop trop cool. Et en plus au passage il est plutôt mime. Alors ça on va rien dire, mais c'est plutôt cool quand même. Et juste au passage, tant qu'on parle de ça, j'ai remarqué sur le petit glaire de hier, la vidéo que vous avez vu, et on me l'a fait remarquer aussi, qu'à un moment on voit une petite armure d'arbeille. Alors est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est une décoration? J'ai posé un petit peu l'idée sur Discord, beaucoup de gens disent que c'est une décoration, d'autres que pensent que ça sera peut-être un signe pour la future mise à jour. À voir, à voir. Mais là où par contre je trouve que là c'est un petit peu ressemblant, on verra quand les trois mobs seront sortis, mais là déjà ça fait deux mobs et c'est pas n'importe quel mob les gars, c'est des mobs qui volent. Et donc peut-être ça veut donner un signe aussi pour la nouvelle mise à jour, je sais pas. Mais déjà deux mobs qu'on a annoncé, il y en aura trois au total normalement. Et sur ces deux mobs, enfin sur ces trois mobs, on a déjà deux qui volent. Donc à voir ce qu'on aura sans doute demain. Mais si jamais c'est un autre mob qui vole, il y aura des théories à se poser comme question. Mais bon voilà quoi, un mob super super cool franchement, ouais. Je dois pas normalement vous influencer, mais bon, entre nous, votez pour lui, il a l'air juste insane. Bon, on attendra quand même demain de voir le prochain mob, mais il est juste trop trop cool et trop mimes, voilà. Bon, j'ai arrêté de dire ça à G24, hein, parce qu'il est trop cool. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir reçu cette petite vidéo. On va se laisser là, c'était une vidéo très rapide, comme chaque jour. Demain, normalement, s'il y a le nouveau mob qui est annoncé, on fera peut-être pareil, voilà. Hein. Et puis je pense que je ferai un petit récap de tous les mobs qui ont été annoncés, en peut-être en regardant, en analysant un peu plus les clips qui nous ont été donnés, parce qu'il y a des endroits où on a des trucs très très intéressant, à voir, mais en tout cas déjà le deuxième mob qui est plutôt très très cool comparé au premier, et en plus il est trop joli, votez pour lui, j'ai rien à dire, allez, on se laisse là, merci de vous regarder, et on se dit à demain, hein, pour la prochaine vidéo, allez, ciao les gens. Tiny Jens? Will Tiny Jens ever drop an album? Was that Tiny Agnes's voice? Do you want the LA to join Minecraft? Tune in to Minecraft Live on October 16th to cast your vote and change Minecraft forever.